Donc, n'importe quelle feuille que vous pouvez couper sur n'importe quelle fleur que vous avez trouvée, soit dans la rue, soit sur la route. Voilà. Et ça, ce sont la même quand on est chef, c'est qu'on est comme ça. Et quand on n'a plus le pouvoir, on devient comme ça. Alors, on peut te casser et on peut faire ce qu'on veut avec toi. Mais quand tu es encore frais, comme les chefs, comme ceux qui ont le pouvoir et qui gouvernent, alors tu as encore toutes les feuilles fraîches et on a du mal à pouvoir t'enlever une seule feuille. Vous allez aller chez cette personne. C'est moi qui vous dis. Et ce que je vous dis, c'est ma grand-mère qui m'a donné. Vous allez aller ce chef-là que vous voulez demander de l'argent. Vous allez aller le rencontrer. Et vous allez lui demander le service que vous voulez. Parfois, quand vous allez là-bas, ce n'est pas pour demander de l'argent. Le plus souvent, parce que vous avez besoin d'avoir un poste. Ou peut-être vous avez peut-être acheté votre terrain, ou il y a un litige que vous souhaitez que cette personne vous apporte comme aide. Quelle que soit la raison, quand vous allez aller croiser cette personne, vous souhaitez avoir une réponse favorable. Parce que, voilà, pour éviter les attaques de la jalousie, la méchanceté et des attaques de ce que je vais vous montrer là. Regardez, voilà la feuille là, vous voyez non? Et voilà l'autre que j'ai pris, c'est la même feuille. Vous allez croiser comme ça, la même feuille là, vous allez la croiser. Donc, de sorte que les deux feuilles là s'embrassent, comme ça. Regardez, voilà, comme ça. Les deux feuilles là qui s'embrassent, voilà. Donc, voilà les deux feuilles. Donc, vous allez prendre la feuille là et vous allez croiser la feuille là. Comme ça. Et vous allez les croiser ensemble. Voilà. Voilà. Sinon, je vais couper et puis je vais vous montrer. Donc, vous allez couper les deux feuilles là comme ça. Voilà, et vous allez les couler ensemble. Voilà. C'est bien coulé. Voilà. Ça, c'est les branches secs que vous avez eues. Voilà. Donc, les branches secs que vous avez eues, vous allez les coller comme ça, ensemble. Voilà. Et vous allez mettre l'autre derrière, comme ça. Voilà. Donc, regardez ce que ça donne comme résultat. Voilà. Vous allez prendre n'importe quel fil. Voilà, que ça soit noir, que ça soit. Ça dépend de votre préférence. Et vous allez commencer à attacher tout simplement. Avant d'attacher, vous allez cracher dessus. Je vais aller demander une faveur au chef, que ça soit ton directeur, que ça soit le député de la ville, que ça soit le maire de la ville, que ça soit même le président de la République. Fais comme ça seulement. C'est pas compliqué. C'est pas méchant aussi. Voilà. Et tu vas dire: les feuilles et les branches sont ensemble. Et lorsqu'ils s'embrassent, lorsqu'ils se collent, personne ne peut les détacher. Les branches aussi qui sont tombées, elles sont devenues secs. Elles ont aussi un pouvoir, c'est la même plante. Accompagnez-moi là où je m'en vais là. Que le président. Voilà. Donc vous allez attacher comme ça. Bien. Quand c'est attaché, vous attachez. En tout cas,
là où je m'en vais là, c'est pas pour c'est pour que le directeur m'écoute. Pour que le directeur même là, lui-même là, quand il me voit, il soit content. Le terrain que je veux là, qu'il me donne, le poste que je veux là, qu'il me donne, si les feuilles ne sont pas sèches, elles sont molles, elles s'embrassent. Quand on s'embrasse, quand on va se croiser, et que ce que je vais dire là, c'est ça. Voilà comment ça va, le résultat que ça va donner. Les amis, ça là, c'est pas méchant. J'ai dit n'importe quelle feuille que vous allez trouver, les branches qui sont tombées en bas et les feuilles qui sont encore en haut. Vous prenez les feuilles là, vous les croisez ensemble, qui s'embrassent. Voilà. Et vous prenez les branches là, vous collez l'autre côté, et puis ça va donner ça quand vous allez attacher. N'est-ce pas? Ça là, mettez ça dans votre poche. Quelle que soit sa force, quel que soit son pouvoir, quelle que soit la taille de son travail, il n'y a rien. Vous allez rentrer là-bas, ce que vous êtes allé chercher là, il va vous donner sans hésiter. C'est ma grand-mère qui m'a donné. Parce que parfois, quand les gens sont chefs, tu ne sais rien faire avec eux. Quand les gens sont chefs, ils n'ont plus de sentiments pour les pauvres. Quand les gens deviennent chefs, ils oublient qu'eux aussi, ils étaient pauvres et qu'ils avaient besoin d'aide. Voilà. Si vous prenez la nature et les feux pour aller vers eux, vous allez les rafraîchir. Et ce que vous allez aller demander comme faveur, que ce soit le travail, que ce soit n'importe quelle faveur, le chef va vous donner sans hésiter. Il ne va même pas dire demain. Il va enlever comme ça, vous dire, allez-y dans tel coin. Si c'est quelque chose qui doit se faire, par exemple, dans une semaine, ça va se faire. Sinon, le chef, là, il ne va pas dormir. Tant que vous n'avez pas eu ce que vous avez demandé, là, ne détachez pas. Le chef, il va même se déplacer pour venir vous rencontrer. Ou il va obliger les gens avec qui il travaille de venir vous croiser. C'est ma grand-mère qui m'a donné ça. Voilà. Mon frère, ma soeur, Dieu a mis tout là à côté de vous. En fait, il faut que vous vous levez. En fait, il faut, vous faut un peu d'effort. Un peu d'effort pour que vous atteigniez vos objectifs. Sinon, sans ça, vous allez perdre votre temps dans cette vie. Parce que c'est les deux mains là qui se lavent. Quand vous partez demander une faveur, c'est que vous êtes la main gauche. Vous n'avez pas de force. C'est comme ça dans la vie. C'est que vous êtes la main gauche. Donc, la main droite là, elle est forte. C'est ça qui est le chef là. Donc, quand vous allez arriver là-bas, wallahi, le chef là, tant qu'il ne vous a pas donné lui-même là, il va parler de votre affaire là à tous ceux qui peuvent vous aider. Si l'affaire là est compliquée et que ça le fatigue, il va demander à ce que les gens le fassent très rapidement pour vous. Ce sont des secrets qui peuvent vous aider. On peut rajouter des racines précieuses dessus pour avoir encore des astuces plus rapides. Parce que parfois, il y a des gens qui sont surchargés en énergie négative. Et donc, quand ils font des astuces, ces énergies négatives détruisent en fait les astuces qu'ils ont. C'est pour ça, parfois, des simples choses ne peuvent pas vous aider. Mais si c'est le cas, et que vous avez tenté, que vous n'avez pas eu de réponse, c'est que le problème est sur vous. Si vous n'avez pas eu de réponse, c'est que peut-être vous n'avez pas rajouté la racine précieuse. Sinon, cette astuce, elle est fabuleuse. Les amis, ça peut aider. Qui n'a pas envie qu'on l'aide dans la vie ici? Qui n'a pas envie? Tout le monde a envie qu'on l'aide. Voilà. Cette vidéo vous a plu? Ça a été un réel plaisir de le partager. Abonnez-vous surtout parce que je vais partager des astuces encore plus croustillantes que vous allez apprécier.